Bon, Fabrice Leroy dans les Côtes d'Armor. Fabrice qui est ce soir à Saint-Brieuc. Bonsoir Fabrice, vous nous immergez dans l'univers du street art. Oui Stéphanie, bienvenue place centrale. C'est ainsi que la place de la Grille, située au cœur de Saint-Brieuc, à deux pas de la cathédrale, a été rebaptisée le temps du festival Just Do Paint, un festival où les murs de la ville sont livrés à des artistes de rue pour réaliser des fresques géantes. Il a monté son échafaudage au bas de la rue des Trois Frères Le Goff et laissé tomber les bombes de peinture. C'est au pinceau que travaille le Normand Rature, de quoi retrouver de meilleures sensations au bout des doigts. J'ai retrouvé une touche similaire à ma touche sur toile, quand je fais des tableaux, quoi, en gros. Je peux choisir mes propres teintes, c'est un travail de palette en fait. Simplement c'est un travail de palette et je préfère ces techniques-là maintenant. Ça tient mieux dans le temps aussi. Chacun sa technique, chacun son style, c'est toute la richesse du festival Just Do Paint qui accueille encore cette année une trentaine d'artistes. Je travaillais plus ou moins avec les primaires en gros. Avec les primaires, ouais. On a du graffiti à la bombe, on a des artistes qui peignent au pinceau comme Rature derrière et qui font que du pinceau. Et puis on a aussi bien sûr du collage, du pochoir, voilà, c'est vraiment plusieurs techniques. On est vraiment un festival d'artistes qui peignent sur des murs, on appelle ça des muralistes, donc on est des artistes, des peintres tout simplement. Dans le quartier de la Ville Auger, le Lorrain Kogawan a hérité pour sa première participation de la plus grande façade. Une belle surface pour son trait hyper réaliste. Je trouve que c'est assez sympa à travailler. Ouais. En gros, il n'y a plus de petits détails. Il faut l'imaginer vu d'en bas. C'est une autre relation à la peinture, c'est assez chouette. Des artistes heureux d'investir les murs de la ville et d'attirer le regard de ceux qui croisent leurs œuvres au quotidien. On se rend compte que les Briochiens se sont appropriés ce festival et surtout s'approprient les peintures. Ils les aiment, ils passent devant, ils les regardent. Des fois, ils les comprennent, des fois, ils les comprennent pas, mais c'est aussi ça l'art, c'est propre à chacun.